Bienvenue à cette séquence préparatoire à la programmation. Alors, merci pour toutes vos demandes, vos participations, vos souhaits, etc. J'ai envie de faire une petite vidéo aujourd'hui exclusivement pour que vous puissiez vous interroger et que vous puissiez vous poser pour savoir ce que vous voulez vraiment. Dans tout ce que j'ai reçu énormément de je veux. Ça doit être comme ça. Je veux plus avoir des manques. Je veux pouvoir m'acheter une paire de chaussures. J'ai envie, j'ai pas envie, c'est, je veux une maison. On sent que tout ça est très, très, très mental. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez des décisions parce qu'actuellement, vous êtes dans le manque. Et donc, vous projetez généralement des je veux qui sont par rapport au mental, parce que vous voulez fuir une situation actuelle. Toute question, toute détermination, toute demande qui se fait par la fuite d'autre chose, par peur d'eux, sera une programmation qui ne fonctionnera pas. C'est pour ça que la loi de l'abondance ne fonctionne pas, entre guillemets. Parce que si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous demandez, ça ne marchera pas. On peut se programmer à aujourd'hui quelqu'un m'offre un café, c'est une babiole, c'est un petit truc, ça va marcher. Demander, comme certains m'ont dit, gagner 50 000 euros par mois, ok, tu sais ce que vous voulez, je suis ok avec ça. Mais est-ce que vous êtes vraiment bien aligné avec cette demande? Là, du jour au lendemain, à partir de demain, vous gagnez 50 000 euros par mois. Comment allez-vous vous sentir? Mais surtout, quel que soit ce que vous avez voulu, et c'est ok, bien sûr, vous avez le droit de vouloir ça. Mais que ce soit votre maison, que ce soit les chaussures, que ce soit créer sa boîte, que ce soit protéger ses enfants, quelle que soit votre demande. La première question que je vous invite à vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux ça? Et prenez un temps de réflexion. Je vous invite à arrêter la vidéo ici, réfléchissez et notez tout ce qui vous vient. Et puis quand vous avez fini, vous reprenez. Pourquoi est-ce que je veux ça? Quand je pense à mes problèmes actuellement, quelles sont mes émotions? Peur, colère, tristesse? Y a-t-il des sentiments? Rancune, dégoût, injustice? Et de nouveau, arrêtez la vidéo. Prenez ce temps et répondez à toutes ces questions. Prenez ce temps de repenser à vos manques financiers, aux problèmes, aux factures qui sont bien là. Pensez à ces factures et là, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Vous pouvez déjà commencer à vous tapoter, évidemment, pendant que vous vous posez toutes ces questions, parce que ça va être remuant, hein? Mais c'est déjà ici, vous allez commencer à guérir vos petits trucs. Donc, pourquoi est-ce que je veux absolument ce truc? Vous allez sûrement avoir des pour fuir quelque chose, par peur du manque, par peur d'avoir encore des ennuis. Notez bien ces peurs-là, notez-les bien, c'est ça qu'il me faut, c'est vraiment ça qu'il me faut. Les émotions, peur, colère, tristesse, peur de quoi? Colère contre qui? Contre quoi? Tristesse à propos de quoi? Le plus précis possible. Plus c'est précis, plus la programmation va fonctionner. Autre question que vous pouvez vous poser. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux?
qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas ce que je veux? Qui? Quoi? Donc? Et vraiment, à chaque question, même si ça vous prend une heure, arrêtez la vidéo et répondez ce qui vous vient le plus spontanément possible. Et répétez-vous cette question trois fois dans votre tête. Tant qu'il y a encore quelque chose qui vient, notez. Peu la même question, mais pourquoi n'ai-je pas encore réussi à avoir ce que je veux? Quel que soit le sujet. Si j'avais ce que je demande, l'argent, le couple, la maison, la situation financière, la situation professionnelle, ce voyage à l'étranger, quel que soit ce que vous voulez, si j'avais ça, fermez les yeux. Imaginez-vous que demain, on vous le présente. Comment vous sentez-vous? Et décrivez absolument cette sensation. Décrivez, imaginez ces 50 000 euros par mois. Est-ce que vous êtes totalement à l'aise avec ça ou est-ce qu'il y a une angoisse, une peur? La moindre sensation négative qui existe, c'est cette petite chose qui va faire foirer votre programmation. Donc il faut la noter. Osez noter ce qui est là. Autre question. Ah, on va aller à fond, hein, cette fois-ci. Quel est le pire qui puisse m'arriver? Si j'ai ce que je demande. Quel est le pire ici et maintenant si j'ai ces 20 000 euros, cette voiture, cette maison, ce nouveau job? Quel est le pire qui va arriver? Que je m'imagine, évidemment. Quel est le pire que je puisse m'imaginer qui va arriver? Ce que j'ai reçu beaucoup aussi, c'est la culpabilité. Vous avez une culpabilité d'avoir ce que vous voulez. Par rapport à qui? Précisément, qui? Précisément, pourquoi? J'ai de la culpabilité. Envers qui? Envers quoi? Qu'est-ce que je ressens quand j'ai cette culpabilité? Physiquement, de nouveau, on y va. Go, go, go. Ça bouge, hein? Il y a des projections sur les autres à cause de ce manque, ce vide, etc. Exemple, l'argent transforme les gens en égoïstes. Bah, c'est clair qu'il ne va pas y avoir d'argent parce que vous ne voulez pas être égoïste. Mais il y a plein, plein, plein de croyances comme ça. Quand on est en couple, on est enfermé. Si j'ai une relation professionnelle élevée, une stabilité professionnelle, on va me jalouser et me détester. Donc, laissez-vous imaginer toutes les émotions, les ressentis, les croyances qui sont là par rapport à ce que vous demandez. Et de nouveau, notez ça. Cette vidéo est faite pour tous les sujets, toutes les programmations qui seront faites par la suite. Donc, je reposterai systématiquement cette vidéo pour que vous puissiez à chaque fois vous reposer cette bonne question. Et
la dernière chose que j'ai envie de voir avec vous, parce que ça, je l'ai vu aussi, mais je l'entends aussi quand j'expérimente. Quand j'entends, je veux des 20 000, 50 000 euros par mois, ou je veux tout en un claquement de doigts. Il y en a qui ont réussi, etc. À part une poignée de personnes dans ce monde, tous ceux qui ont bien réussi y ont mis un investissement. Et il y a une règle dans le coaching où on dit que le degré de ce que vous allez réussir sera en fonction du degré d'investissement que vous avez mis. Alors, je vais le dire vraiment avec des gros guillemets, avec des parenthèses, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez. Je vais faire le truc, mais vraiment bateau, le truc banal de supermarché, pour que vraiment vous compreniez ce que je veux dire. Vous êtes actuellement au chômage et vous demandez à gagner 50 000 euros par mois. Je vous le souhaite de tout mon cœur, qu'il y ait une idée de génie qui vous traverse l'esprit ou une donation ou que sais-je d'autre. Vraiment super. Mais j'ai un gros doute. Parce que, sauf, même si vous avez cette idée de génie, il faut bosser. Il va falloir y mettre du temps, de l'énergie, de l'amour et de l'argent. Par rapport un objectif, si vous n'y mettez pas un investissement personnel qui est temps, énergie, présence, amour et argent, vous n'aurez pas, ou en tout cas vous aurez au degré 2. C'est ce qu'on appelle un peu le levier pour ceux qui font de la bourse, etc. C'est ce qu'on appelle le levier. Vous mettez 1 euro, ben vous allez gagner 100 euros. Vous mettez 100 euros, ben vous allez en gagner 1 000. Donc c'est vraiment ce principe. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ce principe que c'est possible d'avoir ces 50 000 euros. C'est pas le contraire que j'ai dit. C'est vraiment possible. Sauf que pour avoir cela, il va falloir vous bouger. C'est pas en étant assis dans votre fauteuil à regarder les feux de l'amour que vous allez recevoir 50 000 euros. Tous les grands qui ont réussi, que ce soit Apple, que ce soit Oprah Winfrey, que ce soit Steve Jobs, que ce soit, parce que c'est Apple, tous ces grands, ils ont bossé, ils ont étudié. Alors, il n'y a pas besoin d'étudier, mais ils ont bossé. Moi, quand je vois ce que j'ai fait, j'en ai bossé des nuits entières. Je suis pas arrivée là comme ça. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai même eu à un moment donné 3 jobs à la fois pour pouvoir payer ce que je voulais. C'est un choix, c'est une détermination. Alors, si maintenant vous ne vous sentez pas capable énergétiquement, physiquement, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas, c'est OK. Alors, on va faire palier par palier. Et ça fonctionne tout aussi bien. Et même mieux d'ailleurs, parce que vous n'allez pas vous mettre dans l'angoisse d'une transformation gigantesque. Donc, prenez bien le temps de voir qu'est-ce qui est acceptable pour moi maintenant, dans combien de temps. Il y a cette période de timing aussi qu'on dit en coaching. Il faut que ce soit vraiment une période qui est raisonnable. Vous ne pouvez pas demain ouvrir une boîte de nuit si vous n'avez pas un rond. Non, il va falloir de trouver des investisseurs, le local, etc. Il vous faut un délai respectable. Et je vous rappelle qu'une programmation, c'est la programmation de votre poulet. C'est-à-dire, on programme le four, on ouvre le four, on met le poulet, on referme le four, et là, on a juste fait la programmation. Maintenant, il faut attendre le temps de cuisson pour pouvoir sortir le poulet et déguster ce qui est là. Donc, dites-vous bien que pendant ce mois, vous n'allez pas recevoir ni ces 20 000 euros, ni ces 50 000 euros. Plus le montant va être élevé, et à mon avis, sauf si vous y mettez de l'investissement, temps, énergie et tout ce qui va avec, il y aura un délai un peu plus long, surtout si vous venez de bas. Mais tout ça est tout à fait possible parce que vous allez y mettre toute votre énergie, tout votre amour. Vous n'avez pas le sou, c'est pas grave, mais déjà mettez tout le reste pour vraiment vous élevez vers ce projet. Supprimez les mots, c'est dur, il faut travailler dur, il faut bosser, il faut en prendre plein la figure, ça on enlève, ça va être lourd, ça. Non, 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 je vous jure que
Moi, voilà, j'ai créé deux sites internet. Chaque site internet, je l'ai créé en 3 jours. Mais j'ai mis que ça, j'ai fait que ça pendant 3 jours. J'étais dedans, fallait pas me téléphoner, etc. Mais donc, c'est tout à fait possible. Il faut y mettre votre énergie, votre implication. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, cool. Il y a la programmation pour ça. Et on va y aller ensemble. Voilà, j'espère que toutes ces questions, tout ça, je relis vite si j'ai rien oublié de vous dire. Non, voilà, non, non, voilà. Donc c'est vrai que aussi, c'est super important de pouvoir vous rendre compte que tout ce qui est énergie, d'argent, amour, tout ça, c'est de la fluidité. Donc si vous êtes dans la peur de perdre, vous allez thésauriser, donc vous allez garder et donc vous coupez le flux de l'énergie d'office. L'amour, c'est la même chose. Si vous êtes dans la jalousie, la peur de perdre, vous bloquez la relation, mais même avec vous. Et donc, en fait, c'est comme ça que vous perdez les choses. Donc, prenez le temps de vraiment vous poser, de vous poser toutes ces questions-là, de vous laisser sentir. Tapotez-vous si vous sentez qu'il y a des émotions qui viennent pendant ces questions. Et à mon avis, il y en a qui vont venir. Vous avez aussi plein de vidéos sur la peur, la colère, la tristesse, donc tout ce qui va, vous pouvez déjà commencer à vous nettoyer. Et nous, eh ben, on se voit demain, hein, pour la programmation. Et donc, je vous invite à prendre soin de vous. Soyez bénis parce qu'aujourd'hui est un jour exceptionnel. Moi, je vous dis à demain. Je vous aime.